Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur cette plateforme pour le chapitre 3 intitulé Sources primaires de lumière colorée. Ce chapitre 3 va se diviser en trois capsules une capsule de préalable, celle-ci, et puis deux capsules un petit peu plus consistantes. Alors, dans cette première vidéo, nous allons faire des rappels de quatrième ou de secondes et commencer par faire la différence entre des sources de lumière incandescente et les sources de lumière euh, luminescente. Eh bien, dans cette image qui doit vous rappeler euh, quelques souvenirs peut-être, euh, il y a globalement euh, des sources de lumière euh, luminescente et quelques-unes sûrement euh, de, de lumière incandescente. Alors, quelle différence entre les deux eh bien, les sources incandescentes sont des sources de lumière primaire euh, dont la lumière est issue du fait que un corps en elle est chauffé. C'est le cas d'une lampe à filament de tungstène, c'est le cas du soleil et c'est le cas de ce morceau de métal rougi au feu. Dès donc que vous avez un corps chauffé qui émet de la lumière visible, vous avez une source incandescente. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez forcément une source luminescente. Euh, par exemple, ces lampes fluocompactes, par exemple, ces euh, lampes euh, électroluminescentes, ces diodes électroluminescentes sont des sources. Luminescentes de lumière. On ne peut avoir au final que deux types de sources primaires de lumière, des sources incandescentes, celles qui procèdent de corps chauffés, et les sources luminescentes. Maintenant, revenons sur la nature physique de la lumière. Cette question a occupé les physiciens pendant les trois derniers siècles et Hertz, en 1888, a publié trois articles fondamentaux dans lesquels il s'intéressait à cette question avec ce type d'appareillage, l'appareillage que vous voyez là, qui lui a permis pour la première fois de produire, de détecter et donc de manipuler les ondes électromagnétiques. Et que trouve Hertz en 1888 Il trouve que ces ondes électromagnétiques eh bien, vont à une vitesse dans l'air de 3,010 puissance 8 mètres par seconde. Cette vitesse doit vous rappeler quelque chose puisqu'il s'agit de la vitesse de la lumière et cela conduit Hertz et la plupart des physiciens de la fin du XIXe euh, siècle à assimiler la lumière à une onde électromagnétique. Alors cette assimilation de la lumière à une onde électromagnétique avait été, euh, 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 on va dire, pensée théoriquement euh, 20 ans plus tôt par un, un Anglais, un physicien anglais James Clerk Maxwell en 1864. Ce dernier avait réussi à rassembler dans quatre équations euh, la nature et la propagation euh, des ondes électromagnétiques et ces quatre équations faisaient apparaître euh, une grandeur ayant la dimension d'une vitesse, avec pour valeur, dans le vide, euh, la valeur de la vitesse de la lumière, 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde, et il était clair Dès les années 1860, pour les, Maxwell, pour les Maxwelliens, pardon, que euh, les ondes électromagnétiques euh, euh, étaient de la lumière, ou en tout cas que la lumière pouvait être modélisée par une onde électromagnétique. Alors, demandons-nous maintenant ce qui peut euh, permettre de caractériser une onde électromagnétique monochromatique, autrement dit associée à une seule euh, longueur d'onde. Et bien, cette longueur d'onde, justement, apparaît comme euh, la distance parcourue par l'onde qui va, qui se propage à la vitesse C dans le vide, durant euh, un temps, et ce temps c'est justement la période temporelle de l'onde. Vous voyez sur le schéma ci-dessous euh, les longueurs d'onde, les demi-longueurs d'onde, et bien cette longueur d'onde, c'est simplement la distance parcourue par l'onde durant la période temporelle grand T. Autrement dit, la longueur d'onde apparaît, euh, elle aussi, à sa manière, comme une période, mais spatiale, associée à cette onde monochromatique. Si l'on veut parler euh, de période, on peut aussi parler de fréquence, de façon totalement équivalente, en sachant que la fréquence d'une onde monochromatique euh, est euh, définie comme l'inverse de la période. Si la période est exprimée en secondes, la fréquence... De l'onde sera elle exprimée en Hertz en hommage à Heinrich Hertz que euh, vous avez vu il y a quelques secondes. 1 Hertz est donc égal à 1 seconde moins 1. Voilà donc les, les deux ou trois grandeurs physiques qui permettent de caractériser une onde euh, monochromatique, autrement dit longueur d'onde, période temporelle et ou fréquence euh, de l'onde. La vitesse de propagation de ces ondes étant dans le vide et dans l'air, euh, comme vous le savez, de 3,0 puissance 8 mètres par seconde. Alors, faisons maintenant la différence entre source monochromatique et source polychromatique. Comme vous le savez, depuis la classe de seconde, une source, poly... une source monochromatique euh, est une source de lumière qui n'est pas euh, dispersible par un euh, prisme. Alors qu'une source polychromatique, si on l'envoie sur un prisme, euh, euh, se verra dispersée par lui et euh, vous obtiendrez au final ce que l'on appelle un spectre avec euh, un, un certain nombre de radiations colorées, le composant. Un exemple de source polychromatique, une lumière blanche issue d'une lanterne par exemple, celle que vous avez utilisée en classe de seconde, ou la lumière du soleil. Un exemple de source monochromatique, et euh, en fait il n'en existe que d'un seul type, ce sont les sources lasers bleues ou vertes par exemple. Alors, finissons cette, cette capsule par repérer les euh, domaines de la lumière en fonction justement de euh, la longueur d'onde, de l'onde électromagnétique qui leur est associée. On peut dire que euh, le domaine visible par l'œil humain correspond à des longueurs d'onde comprises entre 380 nanomètres et 780 nanomètres. Euh, si euh, on augmente la longueur d'onde, autrement dit si l'on prend des longueurs d'onde électromagnétiques supérieures à 780-800 nanomètres, nous sommes dans le domaine des infrarouges. Si par contre on va euh, dans le domaine de longueurs d'onde plus petites que 380-400 nanomètres, nous sommes dans le domaine des ultraviolets. Voilà tout pour cette première capsule et ses rappels à très bientôt sur Fikemia.